Ah, ce que je pourrais dire aux futurs bénévoles, s'ils hésitent, c'est qu'on est une grande famille. Les bénévoles ont l'habitude de dire unanimement que l'USDECA, c'est une deuxième famille pour eux. Et venir, ils passent une agréable soirée, même si on y travaille. Mais l'ambiance est toujours très bonne et c'est très convivial. C'est une saison très, très particulière, Covid oblige et les règles sanitaires qu'on est obligé de mettre en place. Donc il nous faut un petit peu plus de bénévoles cette année pour faire respecter les sens de circulation, le port du masque, pour éviter que les gens soient trop mêlés les uns aux autres. Je viens au club depuis une bonne vingtaine d'années, je ne sais plus si c'est entre 20 et 25 ans. Au départ, j'étais un peu comme sponsor avec Ouanadou. Puis après, à la demande du président de l'époque, j'ai fait partie du conseil d'administration depuis une quinzaine d'années. Et depuis que je suis en retraite, j'ai cessé mes activités, donc ça m'a paru tout naturel de devenir bénévole.